Qu'est-ce qui s'est passé ici? Chaud ce nom de quoi? C'est comme. Ah, ok. Oula, je. J'ai besoin de me racheter des lunettes. Non, mais si le C, on le tourne, on fait un quart à 90 degrés, ça fait un N et ça fait non. Bien sûr. Non, arrête. Azou, c'est un malin, pourquoi? Il a coupé le micro? Il coupe le micro, il le remet. Non, c'est quoi? Pourquoi t'es un malin, Azou? Hey! Voilà, vous avez vu Gunther? Mais non, je suis pas trop mal, je suis trop beau, regarde, attends. Oh, elle est là, Cam. Hey! Là, tu veux dire bonjour à la caméra? Rapproche-toi un peu. Voilà, c'est ton heure de gloire. Cassandra. Voilà, la team roux. Dites bonjour, Bobby, la caméra arrive vers toi. Bobby, filme la caméra. Il y a moyen d'avoir... Il y a qui dans le chat? Dans le chat, il y a des gens. Alors, bon, ils voient le match quand même, ouais. Elle est... Alors, cinéphile a dit, elle est trop canon, Chio. Et moi? Elle a passé les poules chiots? Non, elle a pas passé. Bah, j'étais dans la même poule qu'elle, c'est pour ça. Mais je suis pas passé non plus d'ailleurs. Je suis pas passé non plus. Ah, merci, cinéphile. Voilà. C'est vrai que les 6-6-B. Encore 6-6-B. Mais déjà tout à l'heure, y a pas beaucoup de gens qui le step cup. Si ça va y aller. Contre Xiba? Non, je crois pas. Là c'est qui le match? Je crois que c'est Cop contre Akiru. Akiru Cop, ouais. Ouais, c'est ça. Là c'est assez serré, là il reste plus beaucoup d'énergie des deux côtés. Il y a pas de l'eau. Ah, c'est fini. Ah non, oh! C'est fini, mais pas comme on croyait. Alors, ouais, on va avoir Vargas qui reprend le micro. Oh, ou pas? Non, il me laisse finir le match. Désolé les gars. ouais, pour les gardes d'impact. Alors la charge B. Si on le lot, ça se rapproche du ring. Non, ça se recentre. Kick bloqué. Oula. Ah, non, la garde. Le lot. Il qui zone pas mal. La déchoppe. Les coups en charge. Faut pas vous dire les coups. Ouais, Kirou il triche. Ouais. Elle a été bannie, Hilde. À Soul 4, pourquoi elle reviendra à Soul 5? Voilà. Il reste quelques coups à mettre là, un tout petit peu. Il met pas de... Elle veut pas de l'eau? Non? Si, voilà. C'est fait. Un partout. Et pas trop plus qu'il y a ces deux barres. Voilà. C'est craqué. Ça fait un bon tiers de barre. Alors. Holsten, alors. Oulala, il prend bien cher Cop là, je pense que. Ouais, c'est fini. Ah, le petit perfect. Bonjour Nakatomi. Il fait même pas loup à Kirou. Ouais, c'est possible. Alors. J'ai pas trop compris ce tool tips, qu'est-ce que c'est. Et le moveset. Bon, voilà. Ok. Ouais, faut lui dire que c'est un sac, bah... Ok, je pense qu'il ira, tout ça. Et la réponse pour... Alors... Caroline, c'est non. Ok, c'est non. Là, c'est eux. Alors... Ah, c'est fini. C'est deux partout, c'est chaud pour la fin, là. Ça va bien, Nakatomi, ça va bien. 57, c'est bien, ça, c'est la Moselle. Représente. Alors, pas trop close. Bah, Nakatomi 57, il y a marqué, c'est bien. J'ai pas trouvé, Azou. Azou, j'ai pas trouvé. Hein. Ouais. Alors, il a l'air bien parti là. Elle a ses deux barres toujours. Ouais, des petits kicks. Voilà, coup en charge.
Toujours 6-6-B pour pas trop close, ça en change pas. Encore un ? Non ? C'est fini. Allez, je repasse Vargas. Je sais que vous m'aimez, mais bon. Me revoici. C'était Gunther au micro. C'était Gunther au micro. Voilà. C'était pas Raziel. Ça fait des bisous. C'est mignon. Alors, qui peut m'annoncer le projet ? Hey, cop ! Cop ! Cop, 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 cop. Alors, Raziel, il est DTC. C'est une chanson de. C'est qui C'est Coral. Toi ? Coral. Coral, pardon. Alors c'est la team Makirou contre... Ah bah il comprendra tout seul, contre la team Baldrick, voilà. On va faire comme ça. Hop. Oh, il y a un Raphaël, donc c'est Coral. Coral qui joue Raphaël, pauvre de lui, contre Akirou, qui a une ult assez solide, hein, qui balance des 6-6-K, hein, pourquoi pas. Il a envie de casser les couilles. Hop, une charge qui est interceptée par Prep Bébé. Bon, pour l'instant, voilà, il s'équivale. Hein, bon, il y a une shop qui finit par trouver preneur. Ah, et la charge qui passe. Bon, bah voilà, finalement, c'est Akirou qui remporte le round malgré tout. Bon, voilà, anti-backdash. Tu ne backdash pas dans ce jeu. T'es fou, toi. Oh putain, il a glissé super loin. Oh là là, oh là là, ça en va derrière. Non, il n'y a pas ring out, hein, ça en va derrière. Par contre, il a raté, ça relève, du coup, il a rien confirmé. Il met un kick en juggle. Voilà, pourquoi pas. Wake up game, glissade. Punition, chop. Avec follow-up, chop. Et main game, chop en 1, c'est sûr. Et voilà. Alors le mec, il a juste un bébé à mettre. Et qu'est-ce qu'il fout? Il cherche son imparable pendant 20 secondes. Il a rien à foutre. Oh le step. Oh oui, il fait les combos à l'ancienne, ah, j'adore. Mais ça marche plus depuis le patch malheureusement. Après 2-2B, tu peux plus mettre 3B. C'est les random, hein, c'est vrai, je veux pas tout plus, ouais. Ça va sur les random. Oui. C'est méchant. Guard break, ça s'est relevé heureusement, sinon ça faisait mal. Oui, je punis. Punition de chop assez atypique. Oh, le A plus, le 6-6-B qui passe avec le A plus B en step, c'est la chope en Michi. Allez, Coral, te laisse pas faire, t'as deux barres encore, essaye de le ruiner. Enfin bon, généralement dans cette configuration, mais non, mais ça, ça marche plus, mon ami, arrête de le faire. On en a rien à faire, rien à foutre des basses connexions. Hein? Ah, alors Drasil, il y a Azou qui me transmet un message et il souhaite que je te dise qu'il t'emmerde en fait. Voilà. Bon après si t'as quelque chose à lui répondre, je pense qu'il te lira. Hein. Voilà, ou sinon vous envoyez des textos. Alors que Akirou décide finalement de laisser plus aucune chance à Raphaël. Non, je ne dis pas ça sur les streams, mon ami. Azou en plein pétage de câble, hein, il est en train de troller sur son propre stream. Raphaël mid plus, oui. Hein. Alors, qui est le prochain? Jot? Mon ami Mini Jot! Ou Jot? Ben, Mini Jot, c'est son PSN, mais apparemment, c'est parce qu'il pouvait pas s'appeler Jot, alors il a choisi autre chose. Pourquoi pas? Alors qu'apparemment, Drasil appelle Azou, hein. Il décide d'avoir un petit débriefing perso du tournoi de la journée. Bouton check, je suppose. Voilà. Ah. T'es en train de me foutre dans la merde. Hild contre Mitsurugi. Alors. Ah, ça doit être Jot, hein, ouais, c'est ça. Jot qui joue Mitsu, tout à fait. Alors, tout est possible avec Mitsu. Moi, je vous le dis, faites bien attention à ce qui va se passer. On va bien se marrer, je le sens. Si c'est ce kick d'entrée, pourquoi pas, 3-3-B dans la garde. La charge qui passe, anti-step. Si c'est ce kick, 4-KB dans la garde. Une autre charge, c'est Bloxen. Tu fais un derrière, il s'est pris le kick.
Une charge, tu fais rien derrière, il s'est repris le kick. Alors, est-ce que Akiru va profiter de ça? Voilà, si c'est ce cas, charge. Il va sûrement réessayer un mind game de ce style. Il va faire ce 6-6 kick. Hein. Mais un jour, on va faire le step ce 6-6 kick, Jot. Sinon, tu vas t'enfermer dans un faux match-up. Ça va pas le faire. Voilà, ça commence à se TP, 2 kicks, pourquoi pas, bébé, hop, ça whiff, nickel, 2 KB, fais gaffe le temps, va falloir faire du feu, va falloir faire quelque chose, va falloir perdre si tu veux, mais fallait que quelque chose se passe. Si, c'est ce kick, encore une fois, hop, oh là là, mais elle fait du taekwondo là, Hild, hein, je ne peux pas dire. Hein. Oh, la shot dans le 2-3-6B, il n'était pas encore TC apparemment. 3-3BB puni par la charge BE avec mini follow-up, un anti-backdash dans ce 6-6 kick, step, hop, voilà. Donc bon, bah j'avais misé sur une petite prouesse du Mitsu, hein, parce que... Baisse-toi, non, il veut pas. Baisse-toi, non, il veut toujours pas, il préfère prendre le coup. Il va prendre le coup. Non, il se baisse, voilà. On ne fait pas trois fois la même phase sur un chevalier d'argent. On peut dire mille fois. C'est ça, ouais. Alors, bah non, Akiru se baisse toujours pas. On va falloir décider à lui faire adopter une garde basse. Hein, sinon, on arrête les mids. Le GI qui passe pas, le timing y était. Hop, un petit grattage, 2 KB qui passe pas. Punition optimisée. Sususki qui touche. Et anti-step, tu meurs. C'est dommage. Jot qui se fait avoir par Akiru. Akiru qui est là en premier front, il aime bien. Hein, c'est le lancier de la team. Dans la team de Saito, il y a aussi Baldrick et Cup. Baldrick, c'est le frère Pantou qui joue. Donc apparemment, on demande la team de Baldrick. La team de Baldrick est composée de Baldrick, Cup, Jot, Coral, Saito. Sachant que Cup, Jot et Coral se sont fait éliminer, il reste Baldrick et Saito. Je rappelle, c'est la finale du team. En face, il y a la team d'Akiru avec Akiru qui est toujours présent, qui s'est toujours pas fait éliminer. Kessona, Pantocrator, Ran et... Sergent Jason, qui pour l'instant il a pas pris un seul round, je crois, hein, dans ce team battle, alors qu'il a montré un double Just Guard sur je sais plus quelle phase, hein. Je me souviens plus. Enfin, il monte du beau jeu, mais il perd ses rounds, c'est dommage. En tout cas, au solo, il a assuré, hein, y a pas d'histoire. Enfin, il aurait pu mieux faire, hein, puisqu'il n'a pas gagné. Mais bref, on va revenir à ce match. Viola, Hild, Baldrick, Akiru. Oui, Sergent Jason a perdu contre Malek. Est-ce qu'il fait l'infini? Non, il s'arrête. Enfin, de toute façon, faire l'infini, c'est un concept assez étrange, parce que plus tu le fais, plus c'est dur, et plus le damage radius se fait sentir. Donc, généralement, les mecs, ils s'arrêtent à genre entre 2 et 4 loops. Mais on peut le faire jusqu'à l'infini, hein, dans les faits. Ouais. Ça tue, non? Oui. Bah ça tue, mais bon, tu vas pas le faire 50 fois de suite, quoi, vu la complexité du truc. Oui, bah tu te rates et tu te fais punir. Ah, solo, il est dégueulasse. Hein. Elle saute sur toi, t'as envie de la stepper, je sais pas. Moi, c'est le réflexe que j'ai sur ce coup, c'est de stepper, et c'est anti-step. Quel dommage. Oh oui, le step, nickel! Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le BNB vraiment bas de gamme. Oh, ça GI, bien sûr. Donc, Baldrick, normalement, va devoir mixer avec une chop. Là, il a essayé de le refaire, voilà. Là, il a essayé de le refaire, je le connais. Moi, j'annonce, dans les prochains rounds, il va refaire son BE avec la boule qui block stun pas mal de... pour laisser la priorité à Viola. Il va mettre une chop au lieu d'un launcher. Que va faire Akiru face à ça? Akiru, pardon, face à ça. Voilà, tac, tac, hop. On relunch, tac tac, hop. On tournoie avec la boule. Oh putain, solo, dégueulasse. On envoie la boule, 6B plus K. Mais bon, concrètement, quand il y a la boule, il suffit de stepper de loin et c'est réglé, elle te casse moins les pieds. Hein. Alors, ah bah ça rate son loop. Ça rate. C'est dommage, hein, parce qu'il le faisait une fois et après il pouvait le ring out. Une fois, deux fois et après il pouvait le ring out. Oh, le Baldrick, il est là!